Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour le chapitre 2 du Let's Play de Minecraft Story Mode. Donc c'est parti, allez on lance directement. Donc j'espère que vous allez bien les gens. Oh, previously on Minecraft Story Mode. Heroes can come from unlikely beginnings. And broken friendships can lead to dark. Ça a remis le... Désolé de couper pendant la truc, mais ça a remis les trucs Ouais. Oh, je sais plus combien j'avais mis. Volume musique 4, 7. Je pense que j'avais mis 6. Sous-titres, j'avais mis moyen ou même grand, je sais plus. Voilà. Donc ça a conservé. Ça a conservé. Ok. Appliqué. Ok. On reprend et je m'attends. When the world is in danger. Fate calls on the ordinary to do extraordinary deeds. And go on journeys they had only dreamed of. Our heroes, thrown together by fate, must now seek help from a legendary inventor. But the question remains, will it be enough to save the world? Donc voilà. Donc je rappelle qu'on avait fait des choix et que les choix qu'on avait fait dans le chapitre 1 sont pris en compte donc dans ce chapitre-ci. This is so cool. The amount of engineering it must have taken to do this. Automated train tracks running all through the Nether, connecting all the different order members. Tous les membres de l'ordre. And imagine the scaffolding you need to make all this. Attention aux monstres. Watch out for monsters, okay? Au lieu de divaguer là. The Witherstorm is going to eat everything. We're gonna get to Elagard, get her to help us, and we're gonna save the world. I hope you're right. We definitely stand a better chance with Elagard's help. Donc, Jesse, je rappelle, oui, bon, évidemment, ça m'étonne pas ça. On va devoir l'esquiver ou pas? Non, on n'a pas dû l'esquiver. Par contre, je vais me taper moins fort parce que vous risquez d'avoir un écho. Ah non! Oh, j'ai quand même réussi. J'étais en train de mettre moins fort. Super, encore du gaz. Oui? Ok, think fast, Jesse. What to choose? Oh merde, c'est pas si je voulais le faire. Pour changer d'arme, c'était très rare pour changer d'arme. Je me suis failli le bouton. C'est pas grave. Du coup, je vais le faire à l'épée alors que je pense que je pouvais le faire à l'arc. C'est pas grave, je me suis planté, tant pis. Allez, tire. Oh, je dois attendre de tirer une boule. Ah non, je devais tirer en fait, ok. Je pensais que je devais attendre qu'il me tire une boule pour la renvoyer en fait, mais non. Ma caisse, ça va du coup. Mais ça va, on pouvait quand même continuer à changer d'arme, donc oui, j'avais bien un arc. Ah oui. J'ai même pas regardé l'heure à laquelle j'ai lancé. Ouais, de la redstone. Redstonia. Donc, je précise que l'IA fait. Donc, vous avez sa chaîne dans la description. Fait un let's play dessus. Hein. Et pour le chapitre 2, bah, elle a choisi. Donc, l'autre, le vert, je sais plus comment il s'appelle. Elle a choisi le vert, le gars qui est l'ingénieur. Je sais plus comment il s'appelle. Et moi, j'ai choisi le gars qui fait la redstone. Donc du coup voilà, donc ce sera deux histoires très différentes, donc vous avez le lien de sa chaîne dans la description. Une fée infernale. Donc ça reste d'être intéressant à voir, comme ça vous avez les deux. Ah évidemment il y a un escalier redstone et tout, on va retrouver le bouton, c'est ça. Minecraft Story Mode. Ah c'est stylé cette image.
Oh, le pont et tout. Telltale Game présente. Ah, avec les Carpates, c'est pas possible de faire ça. Les Carpates se cassent. Il y a qui cherche tous les défauts là. Bien foutu quand même. Fontaine de Redstone. Builders of Redstonia, I want you to know how much I value and adore each and every one of you. Your hard work inspires me every day. Jessie, there she is. I am about to enter my dome of concentration, where I will be unreachable for the foreseeable future. But I will emerge when I complete my latest and greatest creation, the command block. Bloc de commande. Le grand d'avoir sur ce bloc de commande. Continue building, and whichever person most impresses me, they shall be my protégé. Ready to help usher in a new era of innovation and creativity. On va devoir créer un truc à Redstone. La butée. Ça me donne presque envie de faire ça sur Minecraft, mais... Bon. Ah ouais, c'est bien fait, on voit les pistons. Ah, crap. Par contre, je n'entends plus rien, moi. Excuse-moi, Mr. Calvin, c'est-ce que nous devons parler à Elagard, c'est urgent. Oh, je suis peur que c'est assez impossible. Did you hear the speech? She's on lockdown until she completes her next great invention. But lucky for you, I'm here. How can I help? Donnez-lui un message. Pouvez-vous sauver le monde? Construisez-nous à elle. Coordinez-vous à elle. Well, you need to take us to her. Et il va dire non, mais bon. Really important. No, I'm afraid not. Look, I can tell you're not. J'aurais peut-être dû lui demander de sauver le monde en fait. Who are you? Why do you need to see Elagard? Pour sauver le monde. J'ai un message de Gabriel, je suis ici pour reconstruire l'ordre. Le monde court à la perte. Gabriel. J'ai hésité de le monde court à sa perte, mais bon. Elagard's old friend. You must admit that this all sounds a little outlandish. Jesse, show him the amulet. Look, this is Gabriel's amulet. It's how I got here. It's how I found Elagard in the first place. Oh my. Well, that is interesting. If you'd like, I could send that to Elagard. Maybe that would help your mission. Might not be a bad idea. Pas no question, way. Je la garde. Gabriel gave this amulet to me. No way am I parting with it. Je le donne pas. I don't have time for this. I'm afraid I have many more things to attend to than answering all of your questions. I must go. Better just take this repeater and disable the stair controls. We don't want any troublemakers disturbing Elagard. Oh, la forêt, il a pris le repeater. Je vais devoir recrafter H, pareil. Guess we'll need to get another repeater. Right. C'était en anglais là, non? Je crois que le sous-titre était en anglais là. C'est pas très grave, mais. Voilà quoi. Donc on doit faire un autre repeater. Donc je suppose que là il y a la table de craft, mais on n'a pas ce qu'il faut. Donc du coup, va falloir fouiller un petit peu. Hein. On va. Quoi ça? Vacheuse. C'est quoi? Merde, je vois pas le nom. Vache à Pulk. Sérieux? Ils sont pas foulés pour le nom. Parlez à. Allez. Hi there. What? Look, you're gonna have to speak up there. Oh, I just said hi. Much better. What can I do for you? You wanna see my TNT cannon? Montre comment ça marche, aurais-tu un relais? Do you have a repeater I could use? Sorry, none of those to spare. Tu peux me faire entrer dans le dôme, montre-nous comment ça marche. Can you get us in the dome? What? Can't hear you. But if it's about getting into Elagard's dome, no can do. Sorry. Allez, montre-nous comment ça marche. Still a work in progress. But eventually, it'll launch people high into the air so they can see for miles around. Cool, theoretically. Oh, théorie. I
like you, sport. Here, have some redstone dust. Oh. Dust from a strange man. Cool. La poussière d'un homme étrange. On va regarder dans le coffre. Maybe that guy has something I could use. Oh man, stone. Jackpot. Nice. Donc on a une poudre de redstone et trois pierres, c'est ça? Ouais, on a trois pierres et une poudre de redstone. Donc pour faire un répéteur, il nous faut encore une poudre de redstone et une torche de redstone. Can't help but notice you checking out my catapult friend. It's got an easy to use lever right there. So feel free to fling a cow or maybe you'd like to try it on your piggy there first? Non, non, mon cochon il est mignon. Oh, believe me, he'll love it. I've never known a cow pas question. Not to like it. Of course not. Pig, you're seriously missing out here. Utilisez. Congratulations. You've just managed to catapult a cow for no apparent reason. Sans raison. Je viens de catapulter une vache sans raison apparente. Oui, oui, ben c'est cool. On va revenir en arrière. On va revenir un peu en arrière là. À qui je peux parler? Hop. Donc lui, alors on va lui parler. Ah, attendez, on va aller par là. Oh. Oh, rideau de lave. Ah ben ça va plus, ça s'appelle vraiment rideau de lave. Vous avez vu ça les gens? Hi. How's it going? How you doing? Oui, j'ai augmenté la taille des commentaires. See the next great revolution in entertainment? It is pretty. Dites-moi si vous trouvez c'est trop gros. T'as bien, t'as pas besoin d'écoute main. T'as pas besoin d'écoute main, je vais le demander. C'est peut-être un peu gros les commentaires. That's mighty groovy of you to offer, but I'm doing just fine, thanks. So long as that dunderhead sticks over there. Tant que c'est le but, c'est le reste là. C'est quoi ça? Tourneur relâche. Je me doute qu'ils en ont pas, mais bon, on essaye toutes les stratégies. Là, tout à l'heure, il m'a donné une poudre de redstone. Peut-être qu'il en aura une aussi. C'est quoi ça? Disco lave bovine. Perfect fusion of my two loves, cows. Elagard's gonna see it and make me her protégé for sure. I'm actually gonna keep on keeping on. Enjoy the dancing cows. Donc, that little schoolboy, all right? He's never had an original idea in his life. Ah, je vais peut-être aider Albatre ou autre comme ça qui va me donner. Mais les gens, donc, dites-moi dans les commentaires si vous. Si vous trouvez que les commentaires sont trop gras. Yeah, yeah, yeah. What do you think you're doing over there, pal? That's one of the key components of my Donc si les commentaires, si les sous-titres sont trop gros, pardon, pas les commentaires. Mais dites-moi dans les commentaires si les sous-titres sont trop gros. Et du coup, je les diminuerai. Lui, on va peut-être devoir l'aider ou quoi à battre l'autre. Il va peut-être nous donner un truc intéressant. Tiens, parlez. Hey, what's up? What's up? Here to see the best machine that's ever graced Redstonia's shores. Some people say I lack modesty. Je peux peut-être t'aider. Hand with anything? Oh, you're serious? Je vois un peu de ma gueule là. No, from you? No. But why am I telling you all this? I'm trying to become Elagard's protégé over here, and you're probably all in cahoots with that disco weirdo over there. I'm pretty sure he just enjoys torturing cows. Been real chatty with that disco friend of yours. What's he been telling you about me, huh? He's just jealous. Et là, tu voulais les idées. On va essayer de d'enfoncer le mec disco là. Peut-être que en mettant dans notre poche ce type là, on va peut-être pouvoir avoir une poudre de redstone ou pas. Dirty disco freak. Got a bone to pick with you. Ou alors je l'ai peut-être déconcentré pour pouvoir prendre le répéteur. That's what you're telling people. Guess I just call him like I see him.
Oh no, my machine! Oh my cows! Ah, something's gone wrong with the clock circuit. The lava isn't switching with the water. Oh no, your amazing invention. You! You did this! Hey, I am not taking credit for any of this. Bon, les a un petit peu embrouillés, mais c'est pas très grave. C'était déjà très. Oh, mais il a fait carrément un truc, lui, une machine qui avance toute seule et tout. Bon, bah, du coup, on a le répéteur, on a même pas besoin de le crafter. On va quand même. Est-ce qu'on essaye quand même d'avoir les trucs pour crafter un répéteur? Ça pourrait être notre utile d'avoir un deuxième répéteur au cas où. C'est drôle qu'il soit triste. Ouais, baf. Je trouve pas qu'il va mourir de rire, mais bon. Ah. Non, je crois qu'il y avait que deux solutions. On pourra pas crafter. Ah, je sais pas. Fontaine, regardez. Oula, il va de l'autre côté carrément. Ah oui, ok, il va de l'autre côté pour regarder la fontaine. On va quand même aller le voir, lui. Désolé, mec. Oh, my machine! My poor machine! Ah, I can't let Elgard see it like this. She'll never make me her protégé. Par contre, si je dois lui rendre le répéteur, je lui rends pas. Oh, how am I ever gonna fix this? Ok, non. À mon avis, il y avait que deux solutions. Donc du coup j'ai choisi la solution où le répéteur est déjà. C'est pas grave. Oui je peux. S'il vous plaît je peux aller là. Voilà merci bien. Source d'élévation placée. Okay, that's a step in the right. Il l'a mis à l'envers non. Il avait levé ce levier là. Switches on. That doesn't seem super useful. Bum, mon gars. Exactly labeled, you know. Pas vraiment d'utilisation, tu sais. Switches on. Okay, l'escalier est bon. Good. Et je pense qu'en fait on a juste... c'est pas comme un code là tout à l'heure. On est passé, bim. Rien nous empêchera de passer. Aïe. Redstone Laboratory. Le laboratoire de Redstone Delta. Like an entrance or a foyer or something. Don't worry, pal, we'll find her. I just hope she can actually help us. Ok. Trouver Elgard. Donc j'ai vu qu'il y avait un levier activé là. Ouais, c'est quoi ça? C'est juste pour le fun. C'est impossible de faire des pistons à la civette avec du sable dessus, sinon le sable se casse. Je vous dis, je cherche tous les détails, moi. C'est quand même... franchement, c'est quand même bien foutu. Il y a quelques petits détails qui sont pas très justes, mais c'est quand même bien foutu. Comme la porte 3x3, là. Oh, ça sera item. Quand je dis que c'est vraiment bien foutu, avec de l'eau et tout, ils ont vraiment... franchement, ils respectent quand même vachement le truc. Il respecte quand même vachement l'univers de Minecraft et c'est ça qui est bien. C'est la chose la plus redstone que j'ai vu de ma vie. Oula. Maybe I don't know. Breaking things up, keeping intruders out. There are lots of possibilities. Ah ok, je dois changer le délai. Je voyais, par exemple ça. C'est vraiment bien pensé ça, qu'on doit changer le délai pour avoir le temps de passer. C'est juste, c'est bien foutu, c'est bien pensé en fait, c'est vraiment bien pensé. Hey, what can I say? Me and the Redstone just speak to each other. On communique. She's moving a lot of different ingredients around here. Man.
Look at all this, huh? Whatever she's naturellement, je n'ai aucune idée de ce que j'ai sous les yeux. Si, c'est un ascenseur item. Any idea what all this does? Mais on peut pas le mettre donc. Clearly taking all of these materials and doing something with them, but I'm not sure what yet. But boy, am I gonna find out. Come on, let's keep moving. Let's keep moving. Oh, rideau de lave encore. Et la lave, elle sort le vite. Ok. Ça fait quoi ce bouton? Are those? Bats? Yeah. I wonder why she even has that circuit. Hop. Ou alors on doit activer le levier puis le bouton. Ah non. Ok, c'est bon. Ah, c'est un ascenseur. Un ascenseur à eau comme ça. Vous voyez, ça c'est bien pensé par exemple, un ascenseur comme ça. This is just like I dreamt it. Entering Elagard's laboratory, seeing her. Le voir juste ici. She'll ask me to be her apprentice, and the next thing you know, we'll be changing the world together. Let's just try to save the world. C'est pas faux, on va essayer de sauver le monde, effectivement. Inventory request. Operational. Be speedy. Bref, les gens, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Bye bye, où on parlera à Elagard, évidemment. Donc à la prochaine, bye bye.